c'est le local recording. Bonjour à tous, bonjour YouTube, on est de retour pour une nouvelle petite vidéo, toujours en One for All. Pourquoi? Parce que c'est le mode du jeu du moment, c'est un mode de jeu limité dans le temps, donc on va le saigner un petit peu, on va se faire plaisir le temps qu'il soit là. Comme vous pouvez le constater, nous sommes partis en Game Viewer dans le mode Aram, c'est comme ça, tout simplement. Et ils ont piqué du Yorick. Oui, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Ah, c'est... Conseil Brutal Legend, très très bon jeu Brutal Legend. Yorick pourquoi pas. Comme je le disais à l'instant avant de lancer le recording, Yorick gameplay très basique, très très simple, voire très très pauvre, il n'y a pas grand chose à faire sur ce perso. Pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi Yorick? On ne sait pas trop. Mais bon, après tout, on peut se marrer un petit peu, on va prendre l'arme de la déesse. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose d'autre? Ouais, les bottes. Ah merde, on n'a pas de quoi prendre une Doran. J'ai envie de prendre une Doran Blade, je m'en fous des bottes. Après tout, on est en One for All, on va juste se spammer des ghouls dans la gueule. On en a rien à foutre des bottes, on les prendra plus tard, quoi. En plus, j'ai mon gosse, donc bon. Rosef ! Gameplay traité nul à chier. Pas forcément nul à chier, parce qu'il y a des gens qui aiment jouer Yorick. Hein. Je connaissais des personnes qui mainaient Yorick. C'est des potes qui. Vous savez, c'est comme les mecs qui disent tu main qui? Je main Warwick. Pareil, bon. Des gens très bien qui, à mon avis, le jouent. Alors là, tu aurais dû mettre. Putain, ça se pousse sur la gueule sévère, ma poule. Oh putain, moi j'ai lâché tout. Je lâche tout, le gosse, les ghouls. Là, tu me lâches, ghoul de merde! Alors, c'est dommage, hein! C'est dommage qu'il y ait toujours des petits traînards là qui soient là en mode. Ah, tu es pas là, alors que si t'étais là, on l'aurait tué, l'autre salopard. Il y avait l'embrasse, il y avait tout dessus. Alors, est-ce que ça a pris du flash? On peut voir qu'il y a eu du flash, hein. Attends, je mets ma ghoul pour me soigner en fait. Ah! Lâche-moi, saloperie! Saloperie infâme, fils de pute! Non, ça va être drôle, ça va vraiment être affreux avec toutes les ghouls. Alors toi tu meurs, toi tu décèdes. Non, il ne décède pas, la déception. C'est la déception. Le seul décès qui décède, c'est la Sion. J'arrête de dire de la merde. Faut que j'arrête vraiment de dire de la merde. Mais là on se heal, mais salaud. Mon dieu, est-ce que... Alors, normalement le passif de comment s'appelle, de Yorick est tel que c'est le nombre de ghouls à l'écran qui enfin le nombre de ghouls qui influence ses dégâts. Je crois que c'est 10% par ghoul. Est-ce que plus il y a de ghouls, est-ce que plus les dégâts sont violents? Est-ce que ça comptabilise aussi les ghouls adverses? Parce que si c'est le cas. Ah ben non. Oh, First Blood, ma gueule! On l'a récupéré, ça fait plaisir. Alors, il faut savoir une chose avec les ghouls, c'est qu'elles perdent la vision quand vous rentrez dans les bouches. Donc n'hésitez pas à le faire les amis. Si vous voyez qu'il y a les ghouls, tout simplement vous mettez dans le bouche et lui-même n'est pas dans le bouche, la ghoul n'y rentrera pas. À moins d'y spammer un set dedans, c'est-à-dire faire pop une ghoul. Et barrez-vous et tout simplement les ghouls vont vous foutre la paix. Hop, voilà, on recule un tout petit peu. Donc voilà, petit truc à savoir, il y a quand même quelques petits trucs à savoir sur Yorick. Hein. Voilà, le coup de la perte de vision, c'est un des pires counters de Yorick. Tout simplement, vous jouez quand vous êtes en top lane, jouez à dalle avec les bouches et vous verrez, c'est très très facile. C'est très très facile pour vous de faire perdre. De perdre le burst, l'appui DPS à des ghouls à Yorick, du coup, qui fera beaucoup beaucoup moins de dégâts, qui fera beaucoup moins subir quoi. Ça freeze à mort, alors moi de côté je sais pas quoi. Mon côté je ne vois pas de freeze, forcément je suis en live. Si ça freeze, essayez juste de reboot, de changer peut-être un petit peu le niveau du truc quoi, je ne sais pas les amis. Alors, toujours pas de niveau 4 de notre côté, ça ne monte pas. 0-1, enfin 1-0 en notre faveur. Attention, ça va y aller. Là, il faut y aller. Milite, il faut militer, c'est le moment. Allez, arrêtez de me piquer les kills, salaud. Il me pique tout. On se retourne sur ce qu'on peut taper. Moi, je te hit. Hein. Hop, on retourne dedans, on claque la popa. Là, c'est bien fait de sa part. Pourquoi c'est bien fait? Comme je vous le disais, en mettant la ghoul dedans, là, par contre, il a la vision sur moi, donc ces ghouls vont continuer à attaquer. On a les soins qui viennent de spawn du côté de la team. Ah, c'est le mien, je le prends. C'est le mien, je le prends. Je l'ai repéré, c'est à moi. Je l'ai léché. C'est à moi, je vais lécher. Bon, pour l'instant 2-0, on leur met un petit peu la bite. Mais bon, c'est vrai que c'est assez pauvre niveau gameplay. Quoi. C'est énorme, ceci dit c'est énorme, pourquoi? Parce que ça fait vite très très mal quand tu te prends 15... tu te prends toutes les ghouls sur la gueule. Les mecs en plein la gueule, ils se font littéralement déchirer, quoi. C'est infâme quoi. Oh, my god, on va attendre un tout petit peu parce que nous on est comme ça. Meurs, décède, meurs, mais fais quelque chose. Oh là là, on voit les dégâts. Ah, j'en prends plein la gueule aussi. Lâchez-moi les coups de tour, plus les boules, enfin tout quoi. Ça fait mal. Non, je me soigne. Non, tu me lâches là. Non, je t'ai chip là. Et le mec il arrive comme. Je le chip. Hein. On se soigne bien entendu avec sa goule. Je vais aller récupérer du soin derrière. Va-t'en, c'est le mien. Non mais please, prends-le, je vais prendre celui de derrière, t'inquiète. Ça frise pas? Non, ça frise pas, alors ça va quoi? Ça va. Bon, j'arrive. Fuyons.
Enfin, toi, fuis en tout cas. Moi, ça va. T'as niqué. Tu meurs. Tu meurs. Ah, je t'ai niqué. Ah, non, 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 je vais mourir. Ah, putain, le coup de pelle qui est venu me récupérer. C'est pas grave. C'est pas grave. On prend de l'assist, ma gueule. On prend de l'assist. Masse, assist, masse kill. On est bien. On a l'ulti qui vient de pop. Et on va faire, bien entendu, notre Muramana d'entrée de jeu. La Muramana, un des items les plus puissants, bien entendu, sur ce personnage. Alors, je vais vous expliquer un peu comment je le stuff perso en solo queue. Quand je joue Yorick, Muramana, visage spirituel, cœur gelé, Trinité, bien entendu, et après le reste, c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire du rendu, si vous voulez faire encore du dégât, c'est vous qui voyez. Mais il faut ces items-là. Visage spirituel, Muramana, cœur gelé et Trinité. Avec ça, vous êtes trop bien. Vous êtes beaucoup trop bien. Quoi. Dans le sens où vous faites trop mal, vous avez beaucoup trop de survivabilité, c'est fini pour eux. Non, parlant de survivabilité, j'en prends plein ma gueule, hein, les salauds. Plein ma gueule. Non, plein ma goule plutôt. Énorme blague. On arrête tout de suite. Tu arrêtes cette blague. Je ne valide pas cette blague, Arthéon. On voit ma goule hein, qui continue à le taper légèrement, tiens, sensuellement dans tes fesses. Voilà, voilà. Hop. Non, je me heal. Et voilà, bah là c'est le snowballing de l'infini. 8-1, ils peuvent plus faire grand chose pour le moment. Alors, le seul problème, c'est que là, on est quand même dans une, on va dire, dans une position de siège. Donc ça reste somme toute difficile d'aller chase ces trous du cul. Meurs. Non. Meurs. Allez, tape dessus. Oh putain, il y a un heal qui est passé. Ah, la déception, j'avais mis le clone et tout. Le clone, je suis déçu quoi. Là c'est mon clone qui tank, donc on en profite un maximum et on fait du damage. Ah, la déception, il est parti avec tellement peu d'HP le salaud. Alors là ça va s'ulti, ouais, on l'a vu, ça c'est ulti. Oh putain, entre les bestioles, les creeps, les tourelles, les ultis. Il y a tellement de trucs à l'écran, c'est infâme, hein. Je vous le jure, c'est infâme. Attendez, je vais prendre le soin derrière. Prendre le soin. Oh, y'a trop de bestioles, mec! Y'a trop de bestioles! Elle me bouffe la tête, mec! Elle me dévore la tête! Non! Oh non! Non, non, non! Non, 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 non! Tu me lâches! Tu me lâches, salaud là! Va me chercher de l'eau, salaud! Arrêtez de me taper! Allez, on peut régénérer sur le merdier, hein, ça fera du bien. Hop, voilà. Oh, il l'a tué, Rob One, il se fait plaisir. Hop, on perd la vision. Putain, mais cédé. Non, putain, il y a trop de... Oh, trop de ghouls. Et ils partent avec 2 HP, les salopios. C'est la déception. Ils sont vraiment partis avec très peu d'HP. Un petit peu déçu, je ne vous le cache pas. Alors, on va partir directement sur ça. Bon, avoir de la CDR, quoi. Orgie de ghouls. Ah, mais c'est tellement ça, c'est un bucaquet de ghouls, quoi. Non, c'est drôle, franchement c'est vraiment drôle pour le coup. Enfin, je m'attendais à vraiment me faire chier. Là, il faut vraiment prendre en compte tous les trucs. Alors, Muramana, Gantelet Givrant. Non, le Gantelet Givrant, je le trouve beaucoup moins intéressant qu'avant. Je trouve qu'il est. Enfin, cet item est dégueulasse. J'y préfère vraiment cœur gelé, pour le coup, cœur gelé Trinité. C'est beaucoup plus puissant. Meurs. Meurs donc, le kite de l'infini, les bâtards. Là en plus, il peut faire un relais kiting, c'est infâme. C'est comme un relais château, mais. Non, tu me laisses ou je te moleste. On va courir, attention, le soin qui a été lâché du côté de la team adverse, enfin qui était conteste un petit peu mais qui est récupéré de notre côté. On lâche le ghost. Je lâche le ghost. Non, putain, mais meurs un peu. Mais meurs, te dis-je. Meurs. Allez, on spam les CD parce que bah, c'est trop marrant ce jeu, hein. Hop, c'est du Yorick, meurt. Allez, il meurt. Là, on met de la grosse pression quand même, hein. On voit qu'on snowball beaucoup plus qu'eux, on a l'avantage tough, on voit qu'on tient en fait, littéralement, c'est ça. Et là, avec tous les soins plus les dégâts, c'est infâme. Et je ne sais pas si les dégâts sont limités, comme je vous l'expliquais, à vos propres ghouls ou si c'est toutes les ghouls. Parce que là, allez, ça dit Yorick ghouls gain, nanana, on s'en fout. Yorick tell 5% reduce damage and his basic attack deal to more attack. Ah, pour each ghoul, c'est-à-dire pour moi, toutes les ghouls, hein. Je pense pas que ça soit limité à savoir si les ghouls sont à vous ou à votre adversaire, quoi. Enfin, ou à vos copains ou quoi. Donc c'est infâme. C'est-à-dire que chaque ghoul à l'écran me donne 5% de damage en plus et réduit les dégâts aussi de 5%, quoi. Donc c'est bien, quoi. Oula, c'est chaud. Ouh, lui, il va mourir. Meurs donc, tu le ghoul. Ghoul, je suis très déçu. Je suis très déçu. Ah, meurs. Non, je veux pas mourir. Ah non, pas ma salade, pignon pin. Hop. Par contre, c'est super chiant de viser les ghouls. Ça, c'est un truc qui m'a toujours horripilé, hein, quand je joue contre un Yorick ou quoi. C'est viser les ghouls adverses. J'ai l'impression que c'est impossible, quoi. C'est beaucoup trop petit.
Meurs. Je vais mourir. Mais toi aussi, enfoiré. Voilà, c'est bon. Allez, on les défonce. Oui, oui. Mais non, mais il faut suivre, là. Allez, toutes ces tarlouses derrière. Il faut suivre. Les... Je suis sous la tourelle en mode, on va les dive. Hein. Ils ont 10 points de vie. On va pas les laisser en vie. Alors, ils étaient tous là en mode, c'est bon, Arthéon, on est en train de bien les défoncer. Dès qu'il est mort, qu'ils ont 10 points de vie, on va y aller, quoi. Les salauds, quoi. Les bâtards. Les petits bâtards. Des petits catins. Hein, on peut dire, you know, petite catin. Ah bon, on va faire aussi le glacier à cheval au passage. On va faire les deux items en parallèle. Ceci dit, je pourrais faire le bâtard et rusher la Trinité, ce qui pourrait être un choix judicieux, d'autant plus que ça fait des gars. Alors par contre, Anne Alistair, je te le dis, Yorick AP, c'est de la merde. Les ratios de Yorick ne sont pas... Il n'y en a pas suffisamment d'AP pour que ça fasse la diff. C'est vraiment... Je vois souvent des gens qui jouent Yorick AP. C'est dégueulasse, Yorick AP, ça ne marche pas. C'est un AD, hein. Faut pas oublier que c'est un AD quand même. Alors je tank, j'en prends pas ma gueule. Je te défonce, moi, qu'est-ce que c'est ça ? Non mais je vais te défoncer, toi et ton copain en fait. Fudge vous en, va te faire Fudge, toi et ta maman. Alors je suis tout seul, oui, c'est littéralement seul. Mais putain, mais aidez-moi ! Ils sont derrière, les salauds ! Je me suis fait abandonner. Non mais c'est de l'humour, hein, Ah, Nemo, salaud ! Nemo, non bah ça va, si c'est Nemo, je peux dire que oui. Enculé ! Et oui, n'hésitez pas, vraiment, comme je vous le disais, jouez le AD, hein, c'est un perso AD. C'est beaucoup plus efficace en AD. C'est pas là où vous pouvez vous dire oui comme l'Iskrank tu peux faire des tricks ou quoi. Ah non, en AP c'est. Enfin, regardons les dégâts. Je crois que les seuls dégâts magiques sur Yorick hein, sont voilà comme je... sur la goule qui tape en AE et les ratios sont pas ouf. Hein. Sont vraiment pas ouf que je sache. Donc voilà, sur vous avez un ratio AP à 9 secondes, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf. Donc c'est très difficile hein, de le jouer AP. Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt quoi. Alors, ah j'arrive. Alors, on n'y arrive pas. Bah là, on aurait pu hein, ceci dit. Je suis en train d'arriver. Je suis un peu mou, je suis un Yorick, c'est normal, hein, tout va bien. Non, putain, il me donne trop faim, là. J'ai trop la dalle. Non, merde. Alors, killing... Oh, il me l'a volé. Non, ça, c'est pas... Non. Je me sens tout seul. Une fois de plus. Non, non, putain, ça passe. Ça passe. Oh, oh putain, je me suis huilé sur ma propre goule. Je suis un génie. Et toi, je te bait. Oh, oh. Sur ma propre goule, non, c'était pas ma propre goule, mais je me suis vidé sur la goule. Effectivement. C'était tendu. C'était tendax. Ah putain, l'enfoiré, il est là. Je ne vais pas mourir, c'est dans la tête, enfoiré de merde. Ah, enfoiré de mongol de merde. Non. Oh putain, je suis pas mort. Si, non, je suis pas mort. Oh, je suis trop content. J'ai failli mourir. Tiens, bien joué ça, Alistair. C'est très très bien joué, quoi. Voilà. Non, laissez-moi me huiler. Non, non, il est pas mal. Il est pas mal. Non, il est pas mal. Enfoiré de mongol de merde, viens ici. Alors, on se soigne petit à petit. On met du dégât. Hop, on pique du petit pote V. Voilà, mon petit pote. Alors, on se met bien, là. On commence à se mettre bien. Vous savez quoi, un petit Tiamat, ça pourrait être rigolo. Je pense que je vais faire un petit Tiamat juste pour le LOLs. En last item ou un truc comme ça, voir une côte épineuse. Oh, ceci dit, une côte épineuse pourrait être assez intéressante aussi. Sachant que là, bah, il y a masse dégâts AD, quoi. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Il va faire échec. Est-ce qu'il va oser faire échec le salopard? Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Fumier. Tiens, meurs. Non, c'est bon. Je suis derrière. Donc là, on y teint. Oh putain, il y a beaucoup trop de mecs à l'écran. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, tu as cru que t'allais l'avoir? Ah, on s'est fait des politesses, c'est mignon. Ah là là, les politesses. Non, meurs. Ah putain, la souris qui part en cacahuète. C'est bon. Oh putain, j'ai mal. J'ai mon tour matinal, j'ai mal. Mais meurs donc, salopard. Immonde grog. Vous n'avez pas dit le mot magique. Non. Attends, chope-le, tourelle. Chope-le, défonce-le. Ah putain. Il s'est healé suffisamment avec son fuse spell. Enfin, avec son... Sa goule de vie. Non, meurs, salope. Allez, meurs. J'avais dit que t'allais mourir. T'étais marqué dans ton contrat, salopard. Hop, et on a récupéré le 10-4-14. On se met plutôt bien dans cette game. Ça va, quel but à quitter, bien déçu. Hop, le mec il séquestre sa... Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? On parle de séquestration, là, j'aime ça, moi. Qu'est-ce que c'est? C'est sympa, il y a des plans tordus, un peu SM, tout ça. Qu'est-ce que... Oh. Alors, on m'a... Non. Ah non, c'était pas ça. Là. Bon, tant pis. Arrêtez de me spam des goules sur la gueule, ça va pas. Ils veulent me choper, hein. Ils veulent me choper, ils savent que je vois du gold. Bon, ça passe. Oh
Randuin hein, qui a été fait du côté de la team adverse, hein, je vois, c'est en train d'être build. Ça c'est relou parce que là on est tous... Bah ça nerf aussi le dégât des ghouls, pourquoi? Parce que les ghouls vous font des dégâts en auto-attaque. Donc forcément tout ça cumulé fait que c'est malin, c'est très intelligent de leur part. Et pareil, hein, les dégâts de Yorick sont principalement sur les auto-hits. Moins il y a de auto-hits, moins vous prenez de dégâts pour le coup. Donc ça peut aller très très vite. On voit du soin qui a été mis dans tous les sens et ça s'énerve un peu là. Meurs! Meurs, enfoiré! Ah! On va l'aider! On va l'aider, c'est bon, ça fait des golds! Ça fait des golds, tranquille. Easy. Hop, voilà, t'es mort. T'es gold. Mais t'étais mort déjà! Oui, mais c'est pas pareil. Non, c'est le mien! C'est le mien, c'est mon copain! Meurs! Non! 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 Fuyons! Ça va, le mec a ramassé toutes mes miettes! Oh, le chien maigre! La déception! Je ne meurs pas! Je ne meurs pas, c'est dans la tête! Aïe! Oh putain, oh putain. C'est bon! Le kiting de ouf! Mec, kiting de ouf! De forçat, de forcené, de brut! Meurs donc! Et là, on soigne plutôt pas mal depuis tout à l'heure. Ça va. Level 14, 12, 12 en face. Donc on est bien, on est plutôt pas mal hein, pour le moment. Attention. Alors, combien ces auto-hits? Ah, ça, on commence à cogner un petit peu là! On en est où du visage? Ah, ça monte pas si vite que ça. Oh, allez, chopez-le! Meurs! Ah! Arrêtez de me les piquer! Rendez-moi mes 18$! Ah! Qu'un plan! Ton côte, tente ma pite! Aïe! Pas la tourelle! On avait dit pas la tourelle! Non! J'ai plus beaucoup de mana! Il est à moi! C'est le mien, salaud! C'est le mien! Je l'ai léché! Bon, est-ce qu'on va réussir à prendre cette deuxième tourelle? Parce que là, normalement, avec. La tourelle, bien entendu. Et on le tape dessus! Meurs! Meurs donc, salaud! Il me l'a volé, hein. Il me l'a volé une fois de plus, je l'ai vu, vous êtes témoin, il me l'a volé l'enfoiré. Faites popper des ghouls, mince ghoul. Ah! Non, tu me lâches. Tu meurs. Oh, Alistair, vite, prends le heal, prends le soin. Prenez le soin, les gars, vous allez décéder. Bon, bah, je vais bouquer celui qui est tout au fond, juste pour le mana, comme ça je vous fous la paix, quoi. Ah, putain, c'est long ceci, c'est 35 à 13. On est un petit peu dans, vous savez, cette phase où. On pousse, mais ça reste compliqué, c'est quand même des cacs qui poussent sous des tourelles. Oh putain, eux ils ont décidé de se foutre sur la gueule, les îles ils ont littéralement abandonné l'idée. C'est pas grave, j'arrive. Meurs enfoiré. Je fais le ménage moi, je suis un fou. 2 kills. J'ai mal, un petit peu quand même, double kill. J'en prends plein la gueule quand même, lâchez-moi. Non. Oh bah je meurs. Oh putain, c'est la mort. Là, j'ai eu un petit peu plus de balles, on a pu voir qu'il y avait un petit peu plus de dégâts du côté... Ils sont pas gentils, quoi. Bon, on va one-shot la Trinité, on va la prendre au passage et on va finir notre visage spirituel ainsi que notre cœur gelé. Mais là, c'était du pain béni. C'est du pain béni, cette Trinité, ça fait plaisir. On va attendre un petit peu, on va se choper les fureurs aussi. Les petites fureurs qui se mettent bien, quoi. Comme ça, on va pouvoir courir et... Non, on ne s'arrête jamais. Pour les joueuses, pour tous les gens. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Alors, Xerath, ça doit être assez comme Auxerath. En fait, tout ce qui a des ultis, globaux ou même encore énormément de portée, c'est très marrant parce que ça crée du gueux, bien sûr. Ça crée du jeu, beaucoup de trucs à esquiver. Alors que là, c'est juste, tu te places et tu spammes tes ghouls, quoi. C'est ça, et on se rentre dedans comme des gros mongols, quoi. Ça se limite un peu à ça. Alors, toi, tu te calmes de suite, hein, parce que je suis pas ton pote. Hein. Oh putain, il va essayer de me le piquer. Il me l'a piqué littéralement. Oh putain, ça va les ghouls. Alors s'il te plaît la ghoul, tu arrêtes, hein, parce que là j'en prends plein la gueule. Je ne sais plus qui est à moi là-dedans, je ne sais pas. On dirait un bukkake géant. C'est infâme. Tuons-le. Hop, ça court. Tu vas mourir, enfoiré. Ah, il y a la tourelle. Non, c'est toujours ma gueule, hein, la tourelle, c'est pas possible. Je te défonce, easy. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Tu veux te battre? Tu veux te battre comme un chiffon? Il me fait mal! Oh putain, ça passe, on est des fous! Oh my god! Pas grand chose, mais c'est passé. Il nous faut des. Il y a un Yorick qui revient pop. Yorick vénère là. On va le choper. On voit les ghouls! Oh! Ah, il a fait mal! Ah, il a fait un petit peu de dégâts. Il a eu le temps de me tuer avant que j'ai le temps de regen. Donc c'était un petit peu grid de ma part. Je pensais pouvoir le tuer avant. Là, j'ai un petit peu grid. Courez. Kate, là tu hit and run. Tu hit and run, là t'es bien. Ah bah là t'es moins bien. T'es un petit peu moins bien. Le Jedo il fait quoi?
Pourtant, il a pas tant de stuff que... Il est parti sur quoi? De l'hybride, un stuff hybride. Alors, ça n'a aucun intérêt pour le coup, comme je l'expliquais. Pourquoi stuff hybride? Parce que là, bah non, c'est... Enfin, je veux dire, il a pas de stats AP qui sont suffisamment intéressantes pour les maxer, quoi. Là, pour le coup, je ne comprends pas une fois de plus ce choix d'itémisation. Allez, on continue, on va finir notre cœur gelé, on pionnera notre visage spirituel, bien entendu, pour maxer les heals. Hein. Énormément de heals fait du côté de Yorick avec ses ghouls, hein. C'est malgré tout celui-là, là, ça se heal masse. Et toi, elle n'aime pas les barbus, on dirait, effectivement, mais en même temps, on revient. Putain, j'ai 28 assists, 31 assists, putain, masse assists hein, dans cette game, hein. Masse assists. 47 à 20 pour le moment, on est bien, j'arrive. On my way, j'arrive, Yorick arrive. Lequel? Putain, c'est le mec là. J'arrive. Je suis là. On va les défoncer, mais... C'est la mienne! Yo, Slain Hananami! Bâtard! Hop, on va tuer celui-là, ça fait des gold. Hop, voilà. Ah, mais il a des pop! Ah, bah oui, forcément, il a des pop, ce con. Non, mais tu reviens! Là, je t'explique, en fait, tu vas juste mourir. Je m'en fous, hein. Je vais sous la tourelle, je m'en fous. Non, je m'en fous pas, en fait. Lâchez-moi, tourelle de merde! Ah! Attention, il t'en run un petit peu, là, avec le comment ça s'appelle? La trini, ça passe bien. Oh, t'es déçu, tu t'y attendais pas, peut-être. Tu veux un petit peu de fromage avec ton vin? Non? Oh, triple kill peut-être? Non, pas triple kill. Eh ben c'est la déception. Écoutez les amis, je pense qu'on va finir cette game sur ce magnifique move qui a été un pushage, un gros pushage. Voilà, et on va lui rentrer dedans, monsieur. Hop, ah bah tu es mort, tu es décédé. Et là, avec les ghouls, ben ça va tomber vite. Et voilà, tout simplement, comment on gagne une game avec Yorick Mori. Yorick, ce perso un petit peu trop fort. Ce perso qui fait un petit peu mal. Bon voilà, GG all. Bah, là, en fait, le truc, c'est qu'on a vraiment snowball très rapidement en early. Du coup, bah, ils ne peuvent pas, le snowballing étant ce qu'il est sur League of Legends, bah, c'était le caca pour eux. 11. Ah, il est bien là. Il est bien. Beaucoup de gold, beaucoup de... Damage heal tout champion, je suis où? Alors finalement, c'est qui? Ah, c'est Rob One, il en a un tout petit peu plus que moi. Il en a un tout petit peu plus que moi, le salaud. Peut-être parce qu'il a fait la Trinité un tout petit peu plus tôt. En tout cas, GG quoi. GG à tous. GG all, les amis. Merci pour la game de rien, fils. Pour la game, tonton, t'inquiète ma grosse. Oh! Ah bah alors! Bah alors! Mad? C'est pas très gentil ça! Ça mad un petit peu en face, hein! Mad? Oh! Ils sont tous partis! On a pu voir autant ici, si Satan, le mec un petit peu trop vénère et tout, t'inquiète ma grosse de rien, fils! Oh! Oh les mecs un petit peu mad! Bon, en tout cas, GG à tous, cette game était plutôt rigolote, les amis, on a pu voir pas mal de kills, pas mal de goals, 53 à 20, donc littéralement c'était du no match. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal du tout. Yorick, que finalement, bah, je vous conseille, je me suis dit, allez, on va se percher, mais finalement, non, c'était plutôt rigolo. Alors, certes, en termes de gameplay, il n'y avait rien à montrer, c'était du bourrinage intensif, mais il fallait quand même être un petit peu réac sur les ghouls, essayer de pas trop prendre de dégâts, il fallait courir, bon, ouais, c'était très drôle. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager, ainsi qu'à la commenter sur ma chaîne YouTube Arteons World. On se retrouve sur mes réseaux sociaux, c'est marqué au-dessus de ma tête, Arteon Guerrier pour mon Facebook, @arteondo pour mon Twitter. Je vous fais plein de gros boutons, c'est tonton Arteon qui vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!